Bienvenue à tous dans ce J'essaye ta caisse. Exceptionnel. Au moins, il y en a un qui suit. Comme d'habitude, avant que Guillaume m'embrouille, je vous l'ai déjà dit, surtout vous vous abonnez et vous activez la cloche. Sinon, après, moi, je me fais engueuler. Putain, c'est chiant. Sérieux, faites-le, s'il vous plaît. C'est gentil. Ouais, ouais. Non, mais tu te fais plaindre en plus. Comme oui, si je c'est me fais plaindre. C'est moi qui me fais tout le temps engueuler. Oui, bah oui, t'es chiant. Bien évidemment. Donc, comme on a été sage, en plus, on est revenu chez Value My Car. Et je vous rappelle que Value My Car, si t'as besoin de faire de la mécanique sur ta voiture, de la laver, de la bichonner, d'y faire plein de papouilles et des câlins, tu viens ici louer à box et tu fais ça quand tu veux, si tu veux. On peut même fermer la porte, comme ça on ne voit pas faire des câlins à ta voiture. C'est bien ou c'est pas bien? Bon, ce J'essaye ta caisse est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on fait une voiture seulement produite à 1046 exemplaires. Et ça, c'est pas beaucoup. Elle est française en plus, soyons chauvins. Je suis presque habillée en bleu, blanc, rouge volontairement. C'est pas une Ami 16. Je vous présente la Peugeot 405 T16. Stéphane, viens avec nous. Hé, hey, attends, regarde. Hé, hey. Hey, c'est beau ou c'est pas beau? Et alors, attendez. Ce J'essaye ta caisse est encore plus exceptionnel qu'exceptionnel, puisque sur les 1046 exemplaires produits, nous avons la numéro 1046. Ouais, putain, c'est beau ça. Ouais, c'est la dernière. La toute dernière de 95 sortie. Donc, on va remettre ça dans son contexte. On est dans les années 90. On va d'ailleurs mettre fin à une rumeur tout de suite. Une rumeur, c'est écrit sur Wikipédia, comme quoi Wikipédia a des trucs extraordinaires, mais que des fois ils écrivent des bêtises. Cette voiture n'a pas été sortie par Peugeot pour homologuer une version de Rally Raid et donc n'a pas été produite à 5000 exemplaires, comme c'est raconté sur Wikipédia. Malheureusement, là, c'est une énorme bourde. Bah, et puis ça peut pas, en fait. Chronologiquement, ça peut pas. En plus, voilà. C'est pas possible. Mmh. Donc, elle a juste été produite en l'honneur. Oui, c'est ça. Des victoires de Peugeot en Rally Raid. Je crois qu'elle était présentée Salon de Paris 1992 et qu'elle est arrivée sur le marché en avril 93. En fait, les ventes de la Ami 16 phase 2 se cassaient la gueule. En plus, en face, il y avait quand même une sacrée concurrente. Il y avait la R à 21 de litres oui, turbo, oui, quand oui. même. Et donc, dans l'espoir de relancer les ventes, eh bien, ils nous ont fait la T16. Et sa particularité, c'est d'avoir un turbo déjà, c'est oui, écrit dans le nom. C'est ça. Et 4 roues motrices. Oui. Et notamment pour concurrencer la R21 de litres turbo Quadra. Parce que c'était la mode des 4 roues motrices. Bon, ils espéraient aussi concurrencer quelques Audi 80 S2, machin, naninana, mais pas déconner non plus, quoi. Bah, l'idée à l'époque, c'était d'aller chasser sur des terres un peu des, ouais, des ouais, Allemandes et ouais. du haut de gamme, quoi. Je pense que une des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas bien vendue, parce que ouais. les 1046 exemplaires, c'est pas qu'elles étaient numérotées, que c'était une série spéciale ou je sais pas ouais, quoi. Ouais. C'est juste qu'en fait, ça a pas marché commercialement. Ouais. C'est des voitures qui étaient vendues relativement chères. Et du coup, le problème, c'est qu'en termes de look, ça ressemble un peu à une STI ou à ouais, une ouais, Ami 16. Exactement. Bah, d'ailleurs, on va faire le tour esthétique de ce qu'il a dit. Eh bah, vas-y, vas-y. Où il n'y a pas grand-chose. Sur okay. une Ami 16, elles avaient le même dessin, mais ouais. c'était du 15. D'accord. Là, c'est du 16. D'accord. Et le spoiler, l'aileron, voilà, ça, il est 100% différent. À un détail près. Ah bon? La série spéciale. Le Mans. Ami 16, Le Mans. Exactement. Qui reprenait cet aileron-là. Voilà, exactement. Et c'est parce qu'à l'origine, donc, elle se différenciait comme ça. Donc, juste le béquet, les roues. Oui. Et quand ils ont fait la Ami 16 Le Mans à la fin, oui, alors oui. que c'était exclusif à la T16, oui. finalement, ils les ont mis là. Oui. Comme une partie de l'intérieur, mi-cuir, oui. mi-alcantara. Oui. À croire même, et la légende raconte, que c'était pour liquider le stock. C'est ce que la légende raconte. Voilà. Ça veut dire que tout le reste, là, par exemple, les pare-chocs. Tout le reste, tu l'as sur la Ami 16. Oui. Tout ça, c'est. C'est un kit sur de la Ami 16. Oui. Okay. C'est voilà, le même. C'est tout pareil. C'est quand même écrit là. Ah, c'est marqué. Oui, c'est marqué. Hein. Là. T16. Là, c'est marqué. Il faut savoir que notre cher Stéphane nous a préparé son auto juste pour la vidéo et elle est prête depuis quelques heures. Ouais, hier soir. Pour la différencier d'une Ami 16 ou d'un modèle assez banal, on a un intérieur mi-cuir, mi-alcantara, avec donc gros siège baquet et habillage de porte aussi mi-cuir, alcantara. Ouais. Et donc ça, c'était spécifique tout d'abord à la T16, mais on le retrouve ensuite sur dans la Le Mans. Dans exactement, c'est le même intérieur. Sinon, alors température d'eau et d'huile, ça, c'était pareil sur la Ami 16. D'accord. Par contre, la T16 a la pression d'huile en plus. Et techniquement, si on veut un petit détail technique, du coup, c'est un compteur qui est numérique. Alors que sur la Ami 16, c'est un câble.
Alors que sur celle-ci, c'est un compteur numérique parce que l'information de vitesse est utilisée par le calculateur moteur. D'accord. Pour brider la première. Et oui, la fameuse première qui est bridée, voilà. Notamment parce qu'on a des chevaux, quatre roues motrices et voilà. Tout, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs, sans doute, peut-être, qu'elle mettait 7 secondes de 0 à 100, ce oui. Qui est quand même beaucoup par rapport à la fiche technique. Oui. Et c'est sans doute à cause de ce bridage de la première. Ouais, ouais. C'est une boîte de vitesse de 605 V6. Exactement. Qui a été raccourcie pour ouais. Pouvoir rentrer sous le capot. Ouais, ils ont coupé l'arbre et, oui. Et le carter de boîte pour et, que ça rentre. Et c'est une ME celle-là. Et en fait, la boîte de vitesse est lente. C'est une boîte de V6, c'est une boîte qui est plus faite ouais. Pour cruiser que pour attaquer. Passer, que pour attaquer. Ouais. D'ailleurs, Peugeot le disait. Il ne voulait pas faire une caisse hyper sportive. Non, c'est pas comme une 309 GTI 16 ou autre. Oui. C'était une routière. Au catalogue, la MI 16, c'était une sportive, alors que la T16, c'était la routière. Alors qu'ils voulaient relancer les ventes. Et des fois, les constructeurs, je te jure, ils font des trucs. Tu te oui. Demandes s'ils ont une équipe marketing qui réfléchit. Eh bien, justement, parlons-en. Ce Vas-y. Petit détail, l'accoudoir central, oui. Qui n'est pas d'origine sur la voiture. Là. Alors, d'accord. Hop, pour le baisser, tu le mets là. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai installé. Mais ce qui est incroyable, c'est que sur la sportive, t'avais l'accoudoir ouais. Pour pouvoir cruiser tranquille. Et là, tu l'as pas. Et sur la routière, tu l'avais pas. Non, mais et... n'importe quoi. Bah ouais, c'est non, pas cohérent. Et donc, bon. Là, à part sur les compteurs, là, la pression d'huile, ouais. On ne sait pas qu'on non. A une T16. Il n'y a même pas un petit logo, non. Même pas un petit liseré rouge. Non. Ah, et on... avant qu'on l'oublie, vu qu'on a la version de 1995, les toutes dernières générations. On a l'airbag conducteur. Voilà. Ce sont les seuls qui l'ont. Oui. Et du coup. Deux la... volants différents. Et du coup, prétentionneur sur les ceintures. Voilà. Et ce qui voilà. N'existait pas avant. Voilà. Il y a même l'accoudoir derrière. Ah oui. Alors, ça... Elle montre les places arrière, mon cœur. Regarde comme c'est des canapés. Ah ben derrière. Derrière, c'est votre présidentiel, quoi. Grave. Non, c'est beau. Ultra, ultra, ultra bien. Je te jure. Et là, les gamins, ils disent hey, « Eh papa, double !» Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une voiture de papa pressé. Ah ouais, ouais. Et si on montrait le cœur de la bête? Oh là 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 là. Allez. On est donc à 196 ou 200 chevaux. Ouais, l'homologation, c'était 196. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, elle était homologuée 196 parce qu'à l'époque, en Italie, ouais. Tu avais une taxe sur les voitures de plus de 200 chevaux. Ah, donc il fallait être juste en dessous. Donc, ils ont homologué 196 et du coup, tu avais l'overboost pendant 45 secondes qui te l'amenait à 220. En fait, quand tu écrasais l'accélérateur, si tu avais besoin de doubler une petite voiture ouais. Un peu rapidement, eh ben, il régulait la pression de turbo du coup à 1,3 momentanément et oui. Passait les 45 secondes. Si tu restais complètement écrasé, oui. Il ramenait la pression à 1,1. D'accord. Tu levais le pied, tu réécrasais, tu repartais pour 45 secondes. Sachant que la 2, la 3, la 4, dans tous les cas, en 45 secondes, t'es déjà rupteur. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, donc d'accord. En fait, t'avais 220 chevaux. Hein. C'est quoi le couple? Si tu étais sans overboost, enfin en, oui. En 1,1, ouais. T'étais à 300 et tu passais à 330 avec quand t'étais avec l'overboost, okay. Donc avec 1,3. Mais tout ça, c'était avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus le turbo d'origine là, sur celle-là. Ah bon? Non. C'est un turbo donc, d'origine qui est piloté par deux poumons. T'as le poumon de Westgate qui est en bas. Oui. Et t'as le poumon de géovariable qui est sur l'arrière du turbo. Ouais. Et en fait, il vient commander un doigt qui ramène les gaz au plus près de la turbine quand t'es à bas régime. Ouais. Pour la lancer. Et à 3500 tours, après tu bascules justement. En fait, c'est là où il commence à piloter la géovariable pour ouais. L'ouvrir. D'accord. De façon après, en fait, l'idée c'est d'avoir un petit turbo à bas régime et un plus gros turbo à haut régime. À haut régime. C'est la première voiture de série à avoir eu un turbo à géométrie variable. Ah bon? Oui. Mais comment, pourquoi je sais pas ça? Ouais, et ben, ah bon c'est la, ouais, c'est la c'est première. La première. De série. Ouais, ah bah merde alors! Et de série, il hein, faut bien préciser. Où le moteur embarquait des soupapes d'échappement à refroidissement au sodium. La transmission, c'est une 4 roues motrices qui a oui. Le même viscocoupleur qu'une Lancia Delta intégrale. Ah, ça, j'avais envie de le dire! Et ça lui plaît. Ah, ça, c'est ça, ça, c'est ça lui plaît. Pas arrêté de m'en parler. Parce qu'à l'époque, quand on s'est connus, j'avais ma Lancia. Elle avait sa Lancia. Et voilà. Moi, je l'ai connue avec la Lancia à l'époque. Non, parce donc, en fait, juste truc perso, en fait, elle est vraiment timbrée, hein, pour de vrai. Hein. Ah, c'est-à-dire que, je sais. Oui, mais c'est-à-dire que moi, je l'ai connue à l'époque, ouais. Elle l'était déjà bien, ouais, hein, quand même. Contre, Stéphane, ça aurait été bien qu'on se connaisse avant, que tu me précises un peu qu'elle ah. Soit vraiment complètement timbrée. T'aurais voulu ouais. Être prévenu ouais. Ah bah un peu, quand même. Mais ça va faire ouais. 7 ans que tu me supportes. Oui. Par contre, je crois que maintenant, oui, tu dois le savoir depuis. Bah, j'entends plus rien. Le viscocoupleur pour la répartition avant-arrière. Ouais, donc 53-47. 53 sur les roues avant, ouais. 47 sur les roues arrière. Et à l'arrière, elle a un torsen. D'origine, c'est un VAT 25. Oui, voilà, donc à géométrie variable. Et du coup, moi, je suis passé sur un GT 28. Ah ouais?
Mais tu m'avais pas dit. À tous les coups, il y en a qui vont râler. Comment ça se fait qu'il a touché au moteur, tout machin. On en j'ai a tout. Rien à foutre, il fait ce qu'il veut. Et il a tout d'origine. J'ai et toutes pas les pièces d'origine. Voilà. Ça n'est pas irréversible. Non, 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 je peux. Mais attends, c'est sa bagnole, il fait ce qu'il veut, merde. Ouais. On fait ce qu'on veut, j'essaye ta caisse. Alors, et du coup, en fait, elle a un gros turbo, elle a des gros injecteurs, elle a une grosse pompe à essence parce qu'elle tourne à l'éthanol. Alors, en fait, elle a une double carto. On a un mec, Charles. Son site, c'est ATD Performance. Je crois que c'est grâce à lui qu'il y en a autant qui roulent encore maintenant. Parce d'accord. Que il nous a fait... Il est vraiment spécialisé, il connaît le moteur. Il s'est spécialisé dans la T16. Ouais. Et en fait, il nous a fait des pièces renforcées. Celle-ci est complètement renforcée. Alors, au niveau moteur, j'ai bien les pistons forgés. Oui. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Elle a un joint de culasse renforcé. Elle a été contrôlée en ovalisation. Elle a été repierrée et tout. Il m'avait équilibré tout l'équipage mobile. Ouais. Elle a un embrayage renforcé, du coup. D'accord. Et derrière, j'ai les arbres de transfert, donc sortie de boîte de vitesse, oui. Entrée dans la boîte de transfert, c'est du Charles. D'accord. Alors franchement, sincèrement, hein, merci à lui, parce que ouais. Franchement, elle ne roulerait plus. Et le différentiel central renforcé aussi. Et tu l'as passé sur un banc? Non, jamais. Et grosso merdo? Je sais pas, elle doit faire, je sais pas, 300, je sais pas. Ah ouais, quand même. Ouais, je sais pas, ouais. En fait, le freinage d'origine, si tu avais tout qui était neuf et tout ça, tu mettais un premier freinage, elle freinait très bien. Ouais, un deuxième, un peu... Quand ça commençait à prendre un peu de température, rapidement, il y en avait beaucoup moins. Et donc, du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté les Brembo. Alors, ça se monte, c'est plug and play, quoi. Ah, incroyable. Ouais. Je lui ai monté les Brembo de la 406V6. Ouais. J'ai de la plaquette, alors, aux 4 roues. C'est du Ferrodo Racing de la d'accord. DS 2500. Très bien. Alors c'est pas juste la plaquette ce qu'il faut. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas la plaquette la plus mais, performante mais ça va bien. On va aller rouler alors. Ouais si tu veux. Ah, vas-y. Hein. On va rouler. Bah ouais. On va rouler. Mais on est là pour ça. Non mais t'as mis ton gilet blanc parce que la voiture est blanche. Ouais. Mais je m'habille comme la voiture, on a décidé. Bien sûr, et les baskets elles sont comment? Elles sont blanches? Blanche et rouge T16. Ah ouais d'accord. Ah ouais, t'as pas... Bon, on a la Stéphane. Classe ou on n'a pas la classe? Ça, c'est moi, ça. Oui. Ça, c'est quoi? Bah justement. Tu tires... Alors, regarde, regarde. Tu fais ça, et si tu lèves, ça te lève le cucu. Oh bah non, mais attends. Putain, là, je suis en position Renault Trafic. Putain, ton embrayage, non, il est en béton armé. Ah non. Si, si. Un peu. Oh, putain. Il est un peu dur. Mais c'est parce qu'il y a des chevaux à passer, madame. Mais... Oui, j'ai cru comprendre. On sait pas combien, mais on sait qu'il y en a. Ouais, ouais, y a, c'est comme les... C'est, et comme disait Rolls. C'est comme c'est les Rolls. C'est suffisant. C'est suffisant. Voilà. Voilà. Ah non, faut taper le code, madame. C'est, ah c'est sécurisé avec un code. Il y a un secret. Oh merde. Et maintenant, musique. Maestro. Mais bien sûr. Ah bah voilà. Ok, la course de commande à ce. Un ouais, deux, c'est un peu long. Hein. Ouais, c'est pas Paris-Marseille, on va dire que c'est Paris-Lyon. Ouais, ouais. Ça va. En fait, elle a un train arrière qui est dérivé de la BX, enfin des BX 4 roues motrices. Voilà. C'est-à-dire que c'est un train arrière avec sphère. T'as vu, il y a du couple. Hein. Oui. Et il y a un train arrière avec sphère. Par contre, la spécificité, c'est qu'il y a une seule sphère sur celle-là. D'accord, alors que chez Citroën, il y en avait c'était une par roue. T'as une pompe qui est dans l'aile arrière gauche. D'accord. Et avec un petit réservoir, tout ça, de LHM. Si je me souviens bien, c'est peut-être la seule fois de l'histoire de PSA où PSA, Peugeot, oui. Utilise le système de Citroën au niveau des ouais. Suspensions. Ouais, ouais. Mais tu alors, me disais que c'était sur toutes les 405 4 roues. Oui, pour moi, c'est toutes les 405 4 roues motrices ouais, qui avaient ça. D'accord, ok. Qui avaient ce train arrière spécifique. L'autre détail, ouais. C'est, alors on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, mais elle a un échangeur aéro, celle-là. Ça permet d'avoir des performances moteurs qui sont plus constantes en fonction de la température extérieure. Par contre, ça amène de la complexité et un peu de poids. D'ailleurs, les ressorts, je crois, à l'avant avaient été réglés, on va ouais, dire, ouais, ouais, majoré, optimisés, ouais, ouais. Majorés pour supporter le poids, ouais. Le poids du moteur qui oui. Est différent. Et oui. Je crois que c'était 85 kg en plus, ou 80-85. Alors, sur le moteur, je ne saurais pas te dire, mais sur la caisse complète, ouais. Entre une Hemi 16 phase 2
Une Mi 16 phase 2 sur carte grise, c'est 1 tonne 180. Ouais. Celle-ci, on est 1 tonne 340 à la carte grise. Ah ouais. Donc il y a 160 kg d'écart entre les deux. Ouais. Bah, entre moteur et du coup transmission. Oui. Ça pèse, ouais, hein, ouais, c'est bah, connerie. Ouais. Je suis sereine. La route est gramouillée. Il y a des feuilles d'automne, etc. Je suis sereine. Et on est en pneu neige. Oui, on est en pneu neige en plus. Donc écoute, il ne faudra pas qu'on dépasse les 200 du coup. Oui, mais bah d'accord. La petite anecdote, la route secours. Oui, qu'est-ce qu'elle a ? La route secours. C'était une vraie route secours à l'époque. Ouais. Par contre, c'est une route secours en tôle. D'accord. T'as un autocollant dessus, il est mythique. Pourquoi ? Vitesse max 200 km/h. Non ! Bah si, c'est énorme. Sur une route secours ? Ah, ouais, c'est énorme. Ah non. Je trouve non, que et puis, le son est agréable à l'intérieur. Ouais, en fait, alors ce qui est rigolo, c'est que quand tu roules vraiment soft, ça fait moins de bruit qu'une Mi 16. Quand tu commences à aller taper dans vraiment tours, dans les tours, tu retrouves allure. Complètement, tu retrouves le bruit de la Mi 16. Putain, j'aime ces caisses à l'ancienne. Ouais, puis alors, j'avais fait monter un ami à l'époque. Là, ouais. Et le mec m'avait dit, ce qui est rigolo, c'est que dans les voitures modernes, t'entends le bruit de l'échappement. Oui. Dans ces voitures-là, t'entends le bruit du moteur. Exactement. Et je préfère. Ouais. Mais alors, du coup, j'ai un peu l'information faussée, c'est que là, moi, on a beaucoup plus de chevaux. Mais c'est par rapport à une d'origine. Toi, t'as vraiment vu la différence avant, après? Qu'est-ce que... Alors, ce qui est vraiment flagrant, c'est le couple, surtout. Non, j'ai vu un autocollant, là, sur ta vitre arrière. J'ai oublié de te poser la question tout à l'heure. Exosphère, c'est quoi? Alors, Exosphère, c'est une start-up que je viens de monter. On est spécialisé dans l'antivol automobile. Ah bah, ça, c'est bien, ça! Oui, ça, c'est et bien. Et alors, vas-y, raconte. Alors, l'histoire commence il y a un peu plus de 4 ans. Je me suis fait voler une Clio 3 RS, une Red Bull. J'avais fait monter une alarme d'origine. Bah, ça a pas loupé, je me la suis fait tirer quand même. Putain. Et le lendemain, on l'a retrouvée brûlée. Oh ! Voilà. Du coup, j'ai découvert à ce moment-là comment est-ce que les mecs faisaient pour tirer des bagnoles. Ah. Ils peuvent soit brouiller et ils évitent en fait que tu fermes. En fait, tu penses avoir fermé ta bagnole et elle n'est pas fermée. D'accord. Bon, mais pour autant, normalement, ils sont pas censés pouvoir la démarrer. Ok. Bon, après, même s'ils n'ont pas brouillé le signal, ils peuvent toujours, moi c'est ce qu'ils ont fait, ils peuvent te casser une vitre. Oui. Ou alors ils peuvent te tordre la porte. Hein. Et qu'en fait, les mecs, ils rentrent dans ta bagnole. Ouais. Et ils se branchent sur la prise OBD. Alors, une 405, on n'est pas concerné par ça. Ouais, mais les récentes, mais par contre, oui. Sur les récentes, depuis les années 2000, t'as une prise OBD qui est utilisée pour la maintenance des véhicules. Ouais. Les mecs se branchent dessus et ils reprogramment une clé. Putain. Et ça leur prend que quelques secondes. Hein. On a un premier produit là qui est assez simple, mais efficace. Ouais. On modifie la prise, on vient modifier le câblage de la prise. Ouais. Comme ça, tu peux plus l'utiliser. Même d'accord. Au garage, elle n'est plus utilisable. Ah oui, mais alors comment ils font au garage? Et du coup, on fournit un petit dongle, un petit boîtier qui remet les fils droits. D'accord. Et donc du quand tu as besoin d'aller au garage, tu viens avec ton petit truc. Voilà, avec ta petite clé. C'est le même principe que les antivols de roue. D'accord. Où tu viens avec ton adaptateur. Quoi. Ok, très bien. Donc ça, c'est un des premiers produits qu'on fait. Ouais. Ensuite, on a un autre produit. Alors, sur les voitures, main libre. Ils viennent donc à deux, chacun son antenne. Il y en a un qui reste collé à ta voiture et l'autre qui vient gauler le signal de ta clé. D'accord. Alors, le cas le plus courant, c'est t'es garé chez toi, la voiture est garée devant la maison et tes clés, parce que bien souvent, les gens laissent les clés, les papiers, tout ça. Oui, à l'entrée, sur le meuble. Voilà. Oui. Et donc, les mecs, en fait, ils n'ont aucun mal à venir capter le signal de ta clé. D'accord. Mais ça peut aussi se passer dans la rue. Tu viens de garer ta voiture, il y a un des mecs qui te suit discretos, il a, je sais pas, une sacoche, un truc, enfin, il a l'antenne qui est planquée quelque part, tu te rends compte de rien. Ouais. Il te suit gentiment, il y a son pote qui est resté à côté de ta voiture avec son antenne. Ouais. Parce qu'ils peuvent avoir une portée jusqu'à deux bornes hein, quand même. Ah oui. Donc tu peux vraiment aller te promener. Hein. D'accord. Tu vas dans un centre commercial, le mec il te suit, l'autre pendant ce temps-là, il est en train d'ouvrir ta voiture, tu te rends compte de rien.
il la démarre. Putain. On a fait pour commencer, c'est des pochettes anti-ondes. Tu ranges ta clé dedans, ouais, et ça coupe tout contact. Voilà. D'accord. Je vais mettre le lien d'un site internet et tout ça. Oui. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Eh ben ok. Voilà. Là, je dis rien depuis tout à l'heure. C'est que c'est vraiment les quatre roues à l'ancienne. Ouais. Putain, c'est 100 fois mieux que les voitures modernes. En fait, ce qui est rigolo... Tu ressens tout. Oui. Ce qui est rigolo, c'est que tu sens que ça pousse, cette voiture. Exactement. Je sais pas le décrire. Je sais pas dire comment. C'est pas facile à décrire. Mais, tu as raison. Mais tu sens que t'es poussé. Je l'ai un peu acheté grâce à toi. En fait, tu m'as rassuré à l'époque. Une voiture comme ça, au niveau entretien, c'est compliqué. Il faut avoir quelqu'un. Il faut avoir le garage avant la voiture. À l'époque, tu m'avais parlé d'un garage que tu connaissais. J'étais allé le voir. Access Car. Mais oui, j'avais forcément été conseillé. Yannick, c'est obligé. Je m'étais dit, bon, ok, je peux l'acheter. Au moins, maintenant, je sais où l'entretenir. Ouais. Un peu feignante de l'avant. Ouais. Par contre, la petite prépa moteur que tu as faite, ce que j'aime, c'est que j'ai le sentiment que ça ne dénature pas du tout la philosophie d'origine de la voiture. Ouais. Moi, c'est ce que je voulais. Ouais. Les freins sont bien. Ouais, les freins sont bien. Les freins sont vachement bien. Ouais. Franchement, enfin, moi, je trouve que c'est équilibré comme voiture. C'est pas. Et c'est. T'as dit le mot. Elle est homogène équilibrée. Ouais. T'as des gens qui disent oui, mais ça c'est mieux que l'autre machin, mais on en a rien à foutre en fait. Chacun ses goûts. C'est clair. Ce qui compte, c'est, enfin, je sais pas, elle te plaît ta caisse ou pas, tu te fais plaisir ou pas, parce que il y a que ça qui compte, quoi. Mais bien évidemment, c'est ta caisse, tu fais ce que tu veux. Regarde là, il y en a forcément un qui va te dire, mais putain, l'autre il a changé le mode moteur qui marche très très bien. Ouais. Mais tu fais ce que tu veux. Oui, bah oui. Moi, mes yeux là, du coup, tu l'as sublimée parce qu'elle reste homogène. Ouais, bah oui. Normalement, c'est pas fait pour, hein, mais... Bah si. Ouais, mais c'est rigolo, quoi. Tendu comme une crampe. Natacha. Natacha, je vais aller chercher le poney. Ah, t'as l'air. Ah, t'as un bon Steph. Je te coupe, non, mais ça braque Walou Nada. Ah,
Et ça cale aussi, hein. Par contre, là où on était, là au niveau, ils ont coupé les arbres. Ouais. Je peux dire que le soleil il tape. Là, on est. Ah, c'est bien. C'est bon. Ouais. Ah, Manon, elle a chaud maintenant. Ouais, ah. Elle voulait enlever sa doudoune, elle voulait se mettre toute nue. J'ai fait, écoute, Manon, quand même. Manon, un peu de décence. Attendons de se connaître, hein, tout le monde. Attendons au moins 5 minutes. Voilà, ouais. J'ai dit quand même, t'exagères. Avant, Manon. Tout de même.